Pour le moment, les expos restent à Montréal, mais c'est leur populaire gérant qui est forcé de partir. Philippe Allou, qui dirigeait l'équipe depuis 1992, a été congédié. Plusieurs amateurs se demandent si ce congédiement n'annonce pas aussi le départ des expos. Camille Dubé. C'est difficile. Ça, c'est une très décision difficile parce qu'il est à Montréal depuis 27 ans. Mais pour les matchs et pour gagner, nous croyons que ça, c'est la bonne décision pour, pour les expos de Montréal. Philippe Alou était un monument à Montréal, mais aussi partout au baseball majeur. Gérant à Montréal depuis 1992, il faisait partie de l'organisation des expos depuis qu'il s'y était joint comme joueur à l'automne 1973. Il a épousé une québécoise qui lui a donné une fille et un fils. Cette situation, combinée au succès de l'équipe lors de ses premières années, particulièrement à la gérance, en ont fait et de loin le favori des amateurs pendant toutes ces saisons à Montréal. Les partisans des Expos ont reconnu et applaudi ses succès. Et ils ne sont pas les seuls à lui rendre hommage. Et si tu parles à plusieurs joueurs qui ont qui ont travaillé pour lui, ils vont tous dire la même chose que sans Felipe Alou, je parle de des joueurs comme Pedro Martinez, puis Larry Walker, puis Marquis Grissom. Beaucoup de respect de ces gars-là, parce que sans Felipe Alou, ils n'ont jamais les superstars qu'ils sont aujourd'hui. Felipe Alou n'a pas été surpris outre mesure d'apprendre son congédiement. I, I was sort of this news for, for 10 Le nouveau propriétaire de l'équipe, Jeffrey Loria, avait congédié deux adjoints et amis de Felipe l'an dernier. Et tous savaient déjà que cherchait un moyen d'amener son ami Jeff Thorborg à la gérance. C'est fait. Et c'est ce soir que Thorborg commençait son nouveau travail contre les Phillies de Philadelphie au stade olympique. Ici Camille Dubé Radio Canada Montréal.